Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez à vos risques et périls. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un glitch pour avoir les armes spéciales de la chronologie du chaos sur la map 5 de la chronologie de l'éther. Donc je vais vous montrer comment je fais pour utiliser l'arme spéciale Chakram sur la map classifiée. Ce qui est bien avec ce petit glitch, c'est que vous devez faire la manipulation une seule fois et si vous ne modifiez pas votre classe, après vous aurez la classe glitchée et vous pourrez retourner sur 5 n'importe quand, à n'importe quel moment avec vos chakrams ou autres spécialistes que vous aurez prédéfinis au préalable. Alors vous aurez besoin de deux utilisateurs pour faire ce glitch. Le premier utilisateur va tout simplement aller dans le menu zombie. Le deuxième utilisateur va tout simplement rejoindre le premier utilisateur. Quand c'est fait, le premier utilisateur va changer la map et va choisir 9. Le deuxième utilisateur va tout simplement aller dans créer classe et va survoler les spécialistes de la chronologie du chaos. Il a juste à les survoler et ne pas appuyer sur X, il ne faut pas sélectionner. Quand il a survolé tous les spécialistes, il se met sur le spécialiste qu'il désire. Ensuite, le joueur 1 va tout simplement changer de map et va choisir la map classifiée. Quand il a choisi la map classifiée, il lance en partie privée. Quand c'est fait, le joueur 2 va tout simplement sélectionner son chakram en appuyant une fois sur X et il va appuyer deux fois sur rond. Ensuite, comme vous pouvez le voir, dans créer classe, il y a la classe qui est buggée. On peut voir qu'il y a les chakrams et sur l'autre classe, on peut voir qu'il y a le lance-flamme. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de lancer la partie pour valider le glitch. Il suffit juste de quitter parce que le glitch a déjà été validé. Vous avez glitché votre classe de la chronologie de l'éther avec un spécialiste de la chronologie du chaos. Maintenant, vous pouvez, par exemple, aller sur Blood of the Dead, mettre vos chakrams, mais ça ne fonctionnera pas parce que ce glitch fonctionne uniquement sur 5. Donc, vous devez absolument choisir la map 5 et après, vous lancez la partie et vous verrez bien que vous aurez vos chakrams. Donc, faut savoir que si vous ne changez pas votre classe, elle sera tout le temps glitchée pour la map 5. C'est la première classe, vous ne pouvez pas la faire glitcher sur la deuxième classe. Ce sera la première classe qui sera glitchée. Donc, si vous voulez changer de classe, vous utilisez la deuxième classe personnalisée et vous ne touchez pas à la première classe. Si vous touchez pas à la première classe, vous aurez toujours vos chakrams quand vous irez sur 5. Enfin, vous aurez la possibilité de choisir cette classe pour aller sur 5 avec vos chakrams. Après, vous pouvez choisir n'importe quel autre spécialiste de la chronologie du chaos, ça fonctionnera. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mike et ciao. Peace.